sing it out. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Grande est ma joie d'être là encore en cet après-midi pour apporter la parole. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et je remercie encore mes coordonnateurs pour la confiance et la responsabilité qu'ils nous confient encore de nous céder encore une fois la chair afin d'apporter la parole de Dieu. Merci, merci, cher cordon, pour cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est assis sur l'une des chaises ce soir que le Seigneur te bénisse. Je te rassure que tu seras très béni. Alléluia. J'aimerais te les rassurer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dire après moi une nouvelle saison? Une nouvelle saison. Alors nous allons prendre nos Bibles, les ouvrir dans les livres de Genèse. On va lire le verset 14. Genèse 1, verset 14. Une nouvelle saison. Genèse 1, verset 14. Voici ce que la Bible dit. Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec les nuits. Pour séparer les jours d'avec les nuits, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. J'aimerais que tu soulignes cela avec moi. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Donc Dieu les faisait, en tout cas, j'ai envie de dire expressément. Allons dans Ésaïe 66, le verset 23. C'est toujours Dieu qui parle. Ésaïe 26, 23. La Bible déclare: ainsi, à chaque fête de nouvelle lune, à chaque sabbat, à chaque fête de nouvelle lune, à chaque sabbat, tous les habitants de la terre viendront se mettre à genoux devant moi, le Seigneur, à chaque nouvelle lune. À chaque sabbat, tous les habitants de la terre viendront se mettre à genoux devant moi, le Seigneur. Ah, Dieu, il est merveilleux. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, vous remarquerez avec moi que la Bible déclare dans Genèse, qui est la base même des fondations.
de Dieu, Dieu lui-même prend l'initiative de créer des luminaires. Non pas pour que ça soit beau, non pas pour que ça nous procure la chaleur ou quoi que ce soit. Il dit qu'il y ait des luminaires et toutes ces choses pour servir des signes afin de marquer, vous allez vous souvenir, des années, des époques et des jours. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Et la Bible déclare aussi dans Ésaïe, Dieu le fait expressement. Il dit qu'à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, tous les habitants de la terre doivent venir se mettre à genoux. Dans une autre version, on dit tous les humains doivent venir se mettre à genoux devant ma face. Une nouvelle saison. Amen. Est-ce qu'on peut décoller? Alors j'aimerais définir les mots qui font ce thème, saison ainsi que nouvelle, ou nouvelle ainsi que saison. Alléluia. Alors, nouvelle, ça vient de ce qui est nouveau. Et ce qui est nouveau, c'est simplement ce qui n'est pas ancien. Ce qui vient de commencer. Ou ce qui vient de se manifester. Alléluia. En tout cas, ce qui est nouveau, nous tous, d'une manière ou d'une autre, toi et bien logo est sika. Alléluia. C'est souvent quelque chose qui vient de commencer. Souvent quelque chose qui vient de se manifester. C'est ce qui n'est pas ancien. J'insiste. Et la saison, comme nous avons lu dans Genèse, saison veut dire époque. Saison veut dire période précise. Mais saison est rattachée et intimement liée avec ce qu'on appelle le temps. Qu'il y ait des luminaires et toutes ces choses pour marquer le temps. Alors le temps, ils ont comme ballon. Alléluia. Somme ta somme ballon. Il y a différentes pièces à l'intérieur. Alors dans les temps, comme somme ta somme ballon, il y aura par exemple des chemises, il y aura des baskets, il y aura des vestes qui vont sortir. Alors dans le gros du temps, il y a les époques, il y a les saisons, il y a les jours, il y a les années, il y a les secondes et les minutes, les heures qu'on aime les dire. Amen, amen. Et cet après-midi, quand on entend saison, j'aimerais qu'on soit vraiment d'accord. On va parler d'une période précise. Alléluia. D'une période précise, d'un temps précis. Alors dans le contexte de notre thème de ce séminaire, la nouvelle saison veut dire un nouveau défi. La nouvelle saison veut dire un nouveau défi. Alors le défi c'est quoi? Le défi c'est un problème qui oblige à des hommes de faire certaines choses pour surmonter cela. T'inquiète pas, peut-être que c'est les Français qui est un peu compliqué. Mais nous avons tous connu un défi de la COVID-19. Amen, amen. Les problèmes que pose une situation et qui oblige à s'adapter pour surmonter cela. COVID s'est imposé. Mais quelqu'un ici se trouve avec un cache-nez. Quelqu'un ici, avant d'entrer, a été obligé de se désinfecter, de faire un peu de thermoflash. COVID a été un défi qui a maintenant imposé aux hommes certaines activités à faire pour surmonter cela. Je parle à quelqu'un? Alors, dans la nouvelle saison, quand je dis que la nouvelle saison, c'est la saison des nouveaux défis, je veux simplement dire que la nouvelle saison, c'est un temps où nous sommes appelés à faire de nouvelles choses. Alors qu'il y a de nouvelles choses à affronter, alors qu'il y a de nouveaux problèmes à surmonter, alors qu'il y a de nouveaux cas à traiter, à régler, nous sommes aussi obligés, vouloir ou pas, bon gré ou mal gré, de faire des choses nouvelles. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Nouvelle saison. Et souvent, la nouvelle saison commence lorsque la saison d'avant atteint son niveau extrême. Vous allez remarquer avec moi qu'il fait jour quand la nuit a atteint son niveau extrême. Vous allez remarquer même dans la journée, tant que l'heure a moi et bimi makasi. C'est pas souvent la fin de la journée. Amen. Mais moi, ça peut être aussi dans le contexte de la vie de quelqu'un.
Tu peux traverser un temps où les problèmes deviennent trop durs pour toi, où des situations deviennent de plus en plus compliquées. Mais la mauvaise nouvelle pour quelqu'un qui pleure parce qu'il fait chaud, c'est que la journée n'est pas encore finie. Il faut traverser encore beaucoup d'heures avant d'atteindre 18h, 19h. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans une saison où tu es en train de traverser des choses dures à surmonter, des choses dures à supporter, laisse-moi te dire, souvent, ce n'est même pas encore le temps où tu dois passer à autre chose. Alléluia. Mais la nouvelle journée ou le nouveau jour commence lorsque la saison d'avant atteint son extrême. Lorsque une personne est à bout de souffle. Lorsque tu avais quand même une vie de 30 minutes de prière. Mais tu sens que même dire merci à Dieu le matin, ça commence à être compliqué. Ou tu sentais que dans ta consécration, il y avait quand même jeûne, il y avait quand même méditation. Mais tu sens qu'il y a seulement merci Seigneur. La nouvelle saison commence lorsque la saison qui doit céder atteint son paroxysme. Tout le monde est d'accord avec moi. On dit que Boseman, l'acteur de Black Panther, a lutté 4 ans avec le cancer. C'est qu'avant que le cancer emporte cet homme, le cancer devait atteindre son niveau le plus extrême. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es à bout de souffle, toi qui es déjà à bout des efforts, comme David a dit, dans les plus profonds de la terre, j'écris à Dieu, amène-moi sur les lieux que je ne puis atteindre. J'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Toi qui es au bas de l'échelle, toi qui es à bout de souffle, yo l'ennemi, tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison. Alléluia. On parle de Boseman aujourd'hui, non pas comme un vivant, mais comme un mort. Il est entré dans une nouvelle saison. On l'appelle les morts. J'ai pris Dieu que ce soir, que si tu étais entré d'une certaine manière à l'agonie, que tu sortes aussi avec un nom nouveau dans le monde spirituel. Que tu sortes aussi avec un statut nouveau au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la nouvelle saison exige? Les exigences de la nouvelle saison. Amen, amen. La première des choses, c'est que la nouvelle saison exige des vêtements nouveaux. La nouvelle saison exige des vêtements nouveaux. Moi, tout le monde en moi-même, dans la vie quotidienne, avec l'angabomo, le tricot d'Imi. Alléluia. Amen, amen. La nouvelle saison exige à ce qu'on change de vêtements. Alors, vêtements, quand j'ai regardé ça, c'est trop proche de comportement. Si tu veux entrer dans une nouvelle saison, si tu soupires après une nouvelle saison, tu dois changer de vêtements. En d'autres termes, tu dois changer de comportement. Habit, aussi cordon, j'ai remarqué que habit est trop proche d'habitude. Des nouvelles habitudes font accéder à une nouvelle saison. Un nouveau comportement fait accéder à une nouvelle saison. J'aimerais mieux le dire. La nouvelle saison exige, fixe et impose une nouvelle manière de faire. Alléluia. Sans prophétie, sans parole de connaissance. Lorsque je vois quelqu'un changer son comportement, aménager son caractère, je peux comprendre que la personne est sur le point d'entrer dans une nouvelle saison ou elle est déjà entrée dans une nouvelle saison. Alléluia. Et la nouvelle saison exige, comme je l'ai dit, des nouveaux vêtements. Des nouveaux vêtements, ça veut dire un nouveau comportement. Mais les vêtements de quelqu'un déterminent aussi sa destination. Lorsque je vois quelqu'un habillé en salopette, sale comme tout, je n'ai pas besoin qu'on me parle en langue pour comprendre que c'est un mécanicien. Lorsque je vois quelqu'un entrer quelque part avec un casse-courte blanc, hôpital bien sûr, je n'ai pas besoin de demander celui-ci il est qui. En tout cas, tu as habité. Tu as un docteur ou bien infirmier. Et la main est au talis. Alléluia. Et lorsque je vois un homme habillé en costume et cravate, même si j'ai trop envie de parler en lingala,
Alléluia. Ces vêtements t'imposent un peu une certaine manière de les considérer. J'aimerais dire à quelqu'un, un comportement nouveau te positionne pour des choses nouvelles. Alléluia. Et la deuxième chose pour que la deuxième chose que la nouvelle saison exige, avant cela, j'aimerais insister sur la première chose. Vous savez, une femme qui sait qu'elle doit accoucher prépare des vêtements pour l'enfant sans même voir l'enfant. Une meilleure manière d'entrer dans une nouvelle saison, c'est de se préparer à cette saison-là. Tu vas aujourd'hui bâtir une certaine vie dans le futur. Tu dois commencer maintenant. En tout cas, dans ma famille, Zara, moi, c'est ça, j'ai mis à préparer les bon, moi, c'est un peu bizarre. Mais bien aimé, mais est-ce que vous allez? Tu attends vivre de nouvelles choses avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Quelqu'un qui croit qu'il va pleuvoir, en tout cas, il m'en a parapluie. À moins qu'il n'ait pas foi à la météo. Si tu es ici, tu veux accéder à de nouvelles choses dans ta vie, présente ta préparation. C'est en fonction de ta préparation que tu peux bénéficier de la nouvelle saison. Sans préparation, la nouvelle saison te passera outre. Imaginez une femme à l'hôpital sans vêtements, sans rien du tout. C'est vrai, on va l'aider, mais on va la trouver un peu bizarre. Pendant qu'on la trouve bizarre, son enfant peut avoir des problèmes de respiration et des problèmes de santé. J'ai envie de dire à quelqu'un, évite ça. Alors j'aimerais parler de la deuxième chose ou de la deuxième exigence que la nouvelle saison nous impose. Amen. Romains 12, le verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. J'aime ce mot. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La deuxième exigence pour accéder dans une nouvelle saison, c'est de changer sa manière de voir les choses. C'est de changer sa manière de concevoir les choses. J'ai envie de dire qu'une nouvelle saison réclame une nouvelle manière de concevoir les choses. Une nouvelle manière de réfléchir. Vous savez, il y a un général qui a parlé et on a même mal taxé. Il a dit, pour le Congo, avant 1960 égale après 1960. Ça veut dire que les gens, les Congolais, je suis congolaise d'origine, les Congolais ont accédé à une nouvelle saison de l'indépendance sans changer leur manière de réfléchir. Et nous voyons 50 ans d'arriérés à cause de nos dirigeants dans le passé qui n'ont pas changé leur manière de réfléchir. Il y a des dirigeants de familles ici, des futurs ou même présentement. Il y a des sentinelles, il y a des serviteurs, il y a des personnes établies dans des lieux précis. Mais j'aimerais te dire ceci. Une nouvelle saison qui trouve une personne qui doit être acteur, acteur ou actrice, qui n'a pas changé sa manière de réfléchir, cette saison sera inefficace. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On n'est pas seulement transformé lorsque ok poto, tu sens que ma bouche est non. On n'est pas seulement transformé lorsqu'on sent que tu as passé à la faculté de droit, tu commences à parler des mots juridiques et toutes ces choses. On est aussi transformé lorsque l'Esprit de Dieu renouvelle ton intelligence. Oh, je prie Dieu ce soir que quelqu'un dans son intelligence soit renouvelé au nom de Jésus. Il y a des choses qui t'attendent. Tu dois déclencher de nouvelles choses. Ce qui bloque, c'est là. Ils ont changé un peu manière de remital. Ont changé un peu manière de se considérer. Gédéon devait accéder à une nouvelle saison d'être un grand général. Mais écoute sa pensée. Je suis le plus petit. Je suis tout ce qu'il dit. Mais Dieu lui dit quoi? Vaillant héros. En d'autres termes, sois renouvelé par ta manière de te concevoir. Comment est-ce que tu te vois, toi qui veux accéder à une nouvelle saison? Tu te vois toujours en train de pleurnicher. Tu te vois toujours en train d'être faible. Tu te vois toujours incapable.
ce qui bloque la plupart des chrétiens. Togamara, une nouvelle saison. Nakoti saison sika. Bonne année. Mais est-ce que aussi ta manière de concevoir les choses dit bonne année? Vous savez, tu peux prêcher 50 ans sans entrer dans une nouvelle saison. Mais tu donnes une seule prédication. Dans le monde spirituel, tu es maintenant considéré comme prédicateur. Parce que avant cette prédication, tu t'es aligné à une certaine manière ou à la volonté de Dieu. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est agréable à Dieu. Tout ce qui est bon pour ce moment n'est pas agréable à Dieu. Tout ce qui est acceptable pour tout le monde n'est pas agréable à Dieu. Pour dire à quelqu'un, tu peux te croire intelligent, mais pas transformé selon les renouvellements de Dieu parce que tu réfléchis encore comme tout le monde. Tu fais encore comme tout le monde. N'a pas quoi aller, il y a des gens qui sont en train de renouveler manière dont ils ont fait ça. Je parle à quelqu'un. Et la troisième des choses, c'est que la nouvelle saison exige des nouvelles capacités, des nouvelles aptitudes. Ba gadget asika, ba matos asika. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus l'a dit, il dit ceci dans Matthieu 9, le verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Parce que les outres vont se rompre, le vin sera perdu. Mais il dit, les vins nouveaux réclament des outres neuves. La nouvelle saison réclame des nouvelles capacités pour contenir ça. J'aime bien un frère au milieu de nous qui a partagé une fois dans notre groupe WhatsApp. Il a parlé de cette veuve qui voulait un miracle auprès du prophète Élisée. Mais le prophète Élisée lui a dit, va demander à tes voisins des récipients. Pour dire, la saison est disponible, mais les capacités doivent en faire la base. Pour dire, la chair est disponible, mais les capacités doivent crier fort. Pour dire que la vie présentera des opportunités, mais ça doit être trouvé prêt. Sans nouvelles aptitudes, sans nouvelles capacités, on ne peut pas profiter d'une nouvelle saison. Bien aimé, avant le confinement, on a prié à Bongo. Pendant le confinement, on a prié à Bongo. Après le confinement, on a prié à Bongo. Tu penses entrer dans une nouvelle saison, comment? Avant le confinement, tu ne méditais pas. Pendant le confinement, tu n'as pas médité. Maintenant, tu ne médites pas non plus. Mais comment vas-tu me dire que tu vas accéder dans une nouvelle saison? Avant le confinement, tu ne bossais pas sur ta vie. Tu ne bossais pas sur ton ministère. Pendant le confinement, peut-être que tu as essayé de bosser. Mais toi-même que tu sais, c'est toujours la même dimension de 2014. Je prie le Seigneur ce soir qu'il donne à quelqu'un pendant que je suis en train de parler d'acquérir de nouvelles capacités, une nouvelle force pour méditer, une nouvelle force pour prier, une nouvelle force pour intercéder, une nouvelle force pour évangéliser. Je parle à quelqu'un. La nouvelle saison exige de nouvelles capacités. Pendant le confinement, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Alléluia. Certains ont pris le temps de lire des livres. Certains ont pris le temps de mettre de l'ordre dans leur vie. Certains ont pris le temps d'arranger, de connaître les buts de chaque personne dans sa vie. Il y a trop d'encombrement dans ta vie. Prends le temps de t'asseoir. Lui, il fait quoi? Celle-là, il fait quoi? Acquérir de nouvelles capacités, c'est aussi se préparer par rapport à une nouvelle saison. Tu sais que Dieu t'a appelé à ça. Fais aussi quelque chose qui prépare cela. Alléluia. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il faut s'assurer que tes capacités correspondent à ces défis nouveaux. J'aimerais un peu parler aux serviteurs et aux servantes de Dieu. Vous savez, la saison avant COVID n'est pas la même après COVID. Il faut une nouvelle version d'onction. Il faut télécharger une nouvelle manière d'intégrer
des rhéma à mise à jour. Il faut une mise à jour des révélations. Il faut une mise à jour d'onction. Il faut une mise à jour d'opération dans le monde des esprits. Je prie que Dieu soit en train de faire cela. Je prie que l'Esprit de Dieu soit en train de mettre à jour les serviteurs et les servantes. Pendant que je parle, je prie le Seigneur que son mouvement soit en train de toucher plusieurs. Qu'ils arrivent à sortir de l'ancien vêtement, de porter les nouveaux vêtements afin d'affronter ces nouveaux païens. Que Dieu réactualise, mette à jour ta soif pour les servir. Que Dieu mette à jour ta passion pour aller pour évangéliser. Que Dieu mette à jour ta passion pour te tenir à la brèche et de crier pour le salut des âmes. Nous avons besoin de cela, bien-aimés. Alléluia. Comment entrer dans une nouvelle saison? Comment entrer dans une nouvelle saison? Là, je parlais des exigences. Maintenant, comment entrer dans une nouvelle saison? Je peux avoir de l'eau? La meilleure façon de préparer ou d'entrer dans une nouvelle saison, c'est de se trouver dans la présence de Dieu. La meilleure manière d'accéder à une nouvelle saison, la meilleure manière de changer de saison, my God. Ésaïe 66, 23. Ainsi, à chaque fête de nouvelle lune, à chaque sabbat, tous les habitants viendront se mettre à genoux devant moi. Le Seigneur, la nouvelle lune, c'est une nouvelle saison, un nouveau mois. Et le sabbat, c'est ce jour que tout le monde connaît d'une certaine manière ici, qui exigeait aux Juifs que ce soit une saison ou une journée où personne ne fait rien. Vous avez travaillé pendant 6 jours, il y a un seul jour où vous ne travaillez pas. Le sabbat ici, l'Esprit m'a fait comprendre que c'est un lieu de transition. Avant le travail et après le prochain travail, il y a un lieu de transition. Et dans la volonté de Dieu, toute personne qui a dépensé des énergies hier, toute personne qui a perdu en termes de force, en termes de quoi que ce soit hier, doit passer par un temps de recyclage, par un temps de renouvellement, par un temps de renfort, par un temps où Dieu lui-même te traite pour affronter la prochaine dimension. Il dit alors, à chaque nouvelle saison, ce que je demande à tous les habitants de la terre, c'est de se trouver dans ma présence. Ici, on ne dit pas tous les chrétiens. Ici, on ne dit pas tous les serviteurs et servantes de Dieu. Dans une autre version même, on dit tous les humains. Toi qui n'as pas encore fait accéder Christ dans ta vie. Toi dont Christ n'est pas encore le centre. La nouvelle saison t'exige que tu t'exposes à la présence de Dieu. Que tu t'exposes à Christ. Afin que Christ te renouvelle. Afin que Christ réinitialise ta vie. Afin que Christ soit en train de restaurer ta force. C'est comme ça que les personnes accèdent à des nouvelles saisons. Le fait de s'exposer à la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu es au bon endroit. Et je prie Dieu que sa présence soit en train de s'intensifier de plus en plus. Je prie Dieu que sa présence soit en train de s'intensifier de plus en plus. Que tu sentes cela dans ton esprit, que tu sentes cela dans ton âme, que tu sentes cela dans ton corps au nom de Jésus. Que personne ne passe outre par rapport à la présence de Dieu ce soir. Et à une femme, j'ai aimé, le cordon a fait mention d'elle, la femme à la perte de sang. C'est qu'elle, elle passait par des pertes de sang. Comme quelqu'un pendant tout le temps de confinement, il y a un domaine de ta vie qui a été en perte de sang. Il y a un domaine de ta vie qui est passé de mal en pire. Ou même jusqu'à présent, tu ne comprends pas comment vont les choses. J'aime la femme à la perte de sang. Elle n'a pas d'abord prié. Elle a seulement touché les pans de la robe de Jésus. Ah, elle a posé un acte. Quand il y a la présence de Dieu, il ne faut pas rester inerte.
inerte. Quand à la présence de Dieu, il ne faut pas rester inactif. Tu peux rester sans rien dire, mais qu'il faut qu'il y ait des choses qui se passent dans ton cœur. Pendant que je suis en train de prêcher, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? La Bible déclare que cette femme se disait en elle-même. Qu'est-ce que tu es en train de te dire en toi-même pour déclencher la nouvelle saison? Qu'est-ce que tu es en train de déclarer en toi pour que quand tu vas élever ta voix ou poser un acte, qu'il y ait une réponse immédiate? Est-ce que j'emmène quelqu'un à se révolutionner spirituellement? Il y a aussi une personne qui m'a beaucoup émerveillée. C'est Marie de Magdala, une femme chargée de péché. Je ne sais pas si quelqu'un sent que sa vie est en train d'être attirée vers le bas par les péchés. J'aime cette femme. Elle s'est exposée à la présence de Dieu. Elle n'a pas prié seulement. Elle n'a pas d'abord dit des mots. On va parler du fait de dire des mots. Mais elle a posé un acte. La Bible déclare qu'elle avait un parfum ou tout le reste, qu'elle a mouillé les pieds de Jésus. C'était un acte humain. Un acte simple. Mais qui a attiré une attention particulière de Dieu pour agir dans sa vie. Sans tenir compte des personnes autour. Les problèmes avec nous, c'est que nous sommes dans la présence de Dieu. Là où nos vies peuvent accéder à des nouvelles saisons. Mais nous avons trop conscience du voisin que de Dieu. Les personnes qui sont autour de moi savent. Moi, quand c'est l'heure de prier, Naïm n'y sera vraiment. En fait, j'ai compris une chose. Plus tu saisis un don, plus tu saisis une opportunité de bien toucher Dieu, Dieu te touche bien. Ça ne tient pas compte du voisin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la troisième personne, c'est Bartimée. Avec un problème de vision. Mais j'aime les mots que la Bible utilise. La femme à la perte de sang, elle a touché, elle a posé un acte humain de toucher. Marie de Magdala, elle a pleuré, elle a posé un acte. Mais la Bible parle de Bartimée qui a crié. Les actes qui touchent Dieu ne sont pas que des actes divins. Les actes qui touchent Dieu sont des actes humains, mais qui nous connectent au divin. Je vais le répéter. Les actes qui touchent Dieu, les choses qui touchent Dieu, ne sont pas que des choses qui sont au ciel là-bas. Ça peut être aussi des choses humaines d'ici sur terre. Mais si on les fait de tout cœur, ça peut toucher Dieu pour que Dieu touche nos vies. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu veux sortir de ce portail autrement, pose un acte qui est humain, qui passe par les communs des mortels, s'agenouiller, pleurer, je ne sais pas faire quoi, mais que ce soit un acte qui te connecte au cœur de Dieu. Père, je te prie qu'une personne qui sera en train de pleurer ce soir, qu'une personne qui se mettra à genoux de tout son cœur ce soir, qu'une personne qui criera comme Bartimée de tout son cœur ce soir, que ton divin se connecte à son humanité et que ça crée des choses surnaturelles et que cette personne accède à une nouvelle saison. Bartimée a seulement crié, mais son cri l'a fait entrer à des nouvelles saisons. J'annonce une saison où nous serons en train de crier, mais nos cris ne vont pas nous laisser tels que nous étions. Nos cris vont nous changer de destinée et de destination. Alléluia. J'aimerais parler d'une dernière des choses avant que l'on prie. Vous verrez que la femme à la perte de sang a prié pour elle-même. Marie de Magdala a prié pour elle-même. Bartimée a prié pour elle-même. Mais j'aimerais parler aussi d'une quatrième catégorie de personnes que j'ai appelées déclencheurs des nouvelles saisons qui touchent le monde. Il y a des personnes qui déclenchent de nouvelles saisons, qui ne touchent pas que leur vie, qui ne touchent pas que seulement leur famille, qui ne touchent pas que leur quartier, mais qui touchent la commune, la province, les quartiers, les nations et le monde entier. Et c'est le fardeau que j'ai pour ma génération ce soir. La Bible déclare que Dieu a créé tout ce qu'il pouvait créer. Il l'a fait. Mais quand il a créé l'homme, la Bible parle dans Genèse 1, 28. La Bible dit ceci. Genèse 1, 28. Dieu les
bénit et leur dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez la terre, remplissez la terre et la sujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Mais vous allez remarquer avec moi, pour que Dieu fasse ou crée des personnes qui seront capables de toucher le monde autour d'eux, Dieu n'a pas seulement fini par les créer, mais la Bible l'écrit clairement que Dieu leur dit. Est-ce que tu peux dire après moi, Dieu leur dit? Dieu leur dit. Par là, j'aimerais te dire quoi? Des personnes qui amènent des bouleversements, des nouvelles saisons, des temps nouveaux autour d'eux, ce sont des personnes qui apprennent à dire. J'aimerais te le prouver encore. En Chronique 4, le verset 9. En Chronique 4, le verset 9. La Bible déclare ceci. Jabez était le plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant. Jabez va baisser comme en disant. Alléluia. Et la mère dit, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Mais voyez aussi la réplique de Jabez face à ce nom qu'il a apporté la souffrance cordon. La Bible déclare ceci. En Chronique 4, le verset 10. Jabez invoqua Dieu d'Israël en disant. Il y a quelque chose qui se cache dans le verbe dire. Jabez aussi invoque le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc en disant de sa mère, la souffrance avait atteint Jabez. Mais Jabez aussi en disant, si tu me bénis, si tu fais que je ne sois pas dans la souffrance, les dernières phrases de ce verset dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La souffrance est entrée par des paroles. La souffrance a été expulsée par des paroles. Qu'est-ce qui est entré dans ta vie par les paroles? Quelles sont les paroles qui sont en train de se mouvoir encore dans ta vie? Il faut qu'il y ait parole contre parole. Merci Cordon pour cette exhortation de tout à l'heure avant que l'on prie. Il faut mettre des paroles là où il y a eu des paroles qui ont fait accéder les mauvaises saisons. Nous serons aussi en train de mettre des paroles qui seront en train de classer des nouvelles saisons. Je parle à quelqu'un. Et la Bible dit aussi, parlant de ceux qui ont bouleversé le monde, parlant de ceux qui ont bouleversé les nations, les actes des apôtres, où on dit Zambabantomanzambabasakoli. Mais comment est-ce que ces hommes opéraient? On dit qu'ils aimaient prier. Mais ils priaient comment? La Bible déclare dans Acte 4. 24 à 25 et puis 29 à 31, je ne vais pas tout lire, je les ai seulement mentionnés. Lorsqu'ils eurent entendu, j'aimerais que tout le temps, vraiment, comment on a, je prie que l'onction des apôtres soit en ce lieu. La Bible dit, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu quoi? Acte 4, les versets 29, non 24 d'abord, les 25 jusqu'au 31, on peut lire à la maison. Bien aimé, tant que nous sommes dans la maison, 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 nous sommes dans la. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Est-ce que quelqu'un a une voix ici? Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. Lorsqu'ils ont vu des choses qui ne marchaient pas, ils ont élevé tous ensemble la voix et ils ont dit. Ils ne se sont pas seulement arrêtés à élever la voix, en parlant seulement en langue, en battant l'air, mais ils ont classé les mots à la face de Dieu. La Bible dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer, et tout ce qui se trouve, ils ont rappelé à Dieu ce qu'ils pouvaient les rappeler. Et dans le verset 29, il dit maintenant à Dieu ce qu'ils veulent le voir faire. Donne à tes serviteurs
d'annoncer la parole avec une pleine assurance. J'aimerais qu'une personne, alors que l'ancien apostolique est en train de se mouvoir dans cette maison, que quelqu'un qui veut accéder dans une nouvelle saison soit animé aussi du prophétique. Le prophétique fonctionne avec des paroles. Si Dieu a dit pour faire entrer la capacité de multiplication en l'homme, tu peux aussi être en train de dire pour faire entrer en toi ou pour faire exister en toi les capacités inexistantes. Bien-aimés, pendant ce temps de confinement, il y a des esprits qui ont été verrouillés. Il y a des esprits qui ont été mis sous mode avion. Il y a des esprits qui ont été éteints d'une certaine manière. Ce qui est dans ma solo, et aussi maté. Si on part avec la sympathie, et aussi maté. Alors il faut une dose de Dieu. Il faut une nouvelle dose. Il faut un nouvel investissement divin. Il faut un nouveau manteau. Il faut qu'on déclenche une nouvelle saison. Afin que pendant qu'elle est déclenchée ici, alors qu'on sortira dehors. Les médias, ils ont prié. Mais les lieux où ils étaient a tremblé. Chatalagasaka. Je prie que les lieux où nous sommes spirituellement tremblent. La nouvelle saison n'a pas été déclenchée après la prière, après des jours. Mais au même endroit et au même instant. Chantez les bras à la gâche. Les verbes dire, mon frère. Pendant qu'il faudra qu'on prie, ne sois pas seulement en train de battre les mains. Pendant qu'il faudra qu'on prie, ne sois pas seulement en train de regarder et de parler en langue. Quand tu dis quelque chose, tu es en train de communiquer avec les divins. Le fait de dire des choses dans la présence de Dieu nous met en contact avec les divins. Nous met en contact avec les divins. Le fait de dire des choses dans la présence de Dieu nous intronise dans de nouvelles saisons. Le fait de dire des choses dans la présence de Dieu engendre des réformes. Les réformes, c'est une nouvelle manière de faire des choses. Je prie dès ce soir que cet après-midi, que nous serons des réformateurs par nos prières. Je prie dès ce soir que par notre manière de prier, que nous serons des intronisateurs dans les nouvelles saisons. Je prie dès ce soir que nous serons des créateurs de passages. Là où les voies étaient bloquées, là où aucun chemin ne pouvait être pronostiqué par une simple prière faite avec des paroles, une saison de miracles a été ouverte où les apôtres pouvaient prêcher avec une pleine assurance en voyant des miracles. Est-ce que pendant une minute tu peux parler en langue avec moi? Oh, je sens l'onction apostolique et prophétique ici en ces lieux. J'aime l'apostolique parce que c'est l'établissement. J'aime aussi les prophétiques parce que c'est l'annonce des nouvelles choses. Rekata la manda la baba 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 bashaka. Ribra kanta ya mandolo boko shaka. Bien-aimé, j'aimerais que tu télécharges, que tu voies dans ton esprit des choses qui doivent être réformées, des choses qui doivent être touchées par Dieu. La Bible dit que la mère d'Elisabeth a dit. Elisabeth aussi a parlé. La Bible déclare que Dieu dit. Si Dieu a dit, c'est que c'est mort. Shakara brakata yabakase. Est-ce qu'on peut même augmenter le son de l'instrumental? J'aimerais que chacun m'ouvre un peu en esprit. Avant que l'on a pris ensemble, j'aimerais que tu arrives à te mouvoir en esprit. Par la langue, par la langue. C'est là que tu as entendu l'enseignement. J'aimerais que tu sois en train de prier. J'aimerais que tu sois en train de prier en langue. Erakayamanala braka shaka. Erababababa shaka telebo. Manaraka shaka la bababa. Enalamaka subrata yaba. Marika shaka ta yaba baba. Orabaka setelebo bababa. Une saison commence par des paroles. Une saison s'annule aussi par des paroles. Bien-aimé, tu as écouté cette prédication. Prends la partie qui te plaît.
prends la partie qui t'a touché et cherche Dieu avec cela. Mandele Boshaka. Rekete mandala baba baba yaka. Yeba baba 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 bashaka. Parle, parle. Pose des actes. Je n'ai rien à te dicter. Je n'ai rien à te dicter. Mais je ne sais pas si tu vas faire comme Bartimée crie. Si tu vas faire comme Marie de Magdala. Oh, jette-toi à terre. Si tu vas faire comme la femme à la perte des sangs. Yenna la machata la gaseke. La nouvelle saison exige une nouvelle manière de faire. La nouvelle saison exige une nouvelle manière de prier. La nouvelle saison exige une nouvelle manière d'invoquer Dieu. Où sont les prophètes dans cette maison? Où sont ceux qui ont les verbes divins? Où sont ceux qui ont les verbes divins? Satala mande le brokoto yobo shaka. Rakaya manda la bakasha. Le torrent est agité. Le torrent est agité. Prends la position qui te plaît. Prends la position que l'Esprit te pousse à prier. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut activer cette saison? Rekaya mandala bashaka. Mandala brakata ya baba. Le Dieu des esprits des prophètes en ce lieu. Je ne sais pas quel geste l'Esprit te pousse à faire. Je ne sais pas quel acte que tu as poussé à faire. Oh Dieu, Dieu des esprits des prophètes, et caramba chaka. La Bible déclare, la Bible dit, quand je suis au puissant, je prie. Emmène-moi sur les rochers, et je ne prie à t'être par moi-même. Emmène-moi sur les rochers, et je ne prie à t'être par moi-même. Et ma caïma, comme ma sacoli. Lance des cris à Dieu. Lance des paroles à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Rassure-toi que tu es en train d'amener des réformes. Thank you.
verrouillés soient déverrouillés. Que les esprits verrouillés soient déverrouillés. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Toi qui n'entendais plus. Toi qui n'arrivais plus à prier. Toi qui étais alourdi. Que ton esprit soit déverrouillé. Et sois le là où tu es. Là où tu es. Dieu te touche là où tu es. Toi qui es concerné. Dieu te touche là où tu es. Des nouvelles aptitudes spirituelles, des nouvelles aptitudes intellectuelles. Mets tes mains sur ta tête, ton second est là. Ton second est là. Ça m'a que la bambamba. Ça m'a donné le rappel à la bambamba. C'est lui qu'on est en train de faire appel. Que Dieu soit en train de placer des nouvelles aptitudes. Je vois quand même faire qu'on est en train de remplir progressivement. Il y a quelqu'un qui va pousser un grand cri. Non, mon ami, tu fais. Quand on donne mis en mort, m'enlève-moi, m'enlève-moi. Il y a quelqu'un qui est en train d'être rempli dans ton esprit. Recevez des bagages spirituels pour affronter les nouveaux défis dans cette nouvelle saison. Quel nouveau bagage. Ici je sens que c'est un service précieux. Des personnes qui ont des pertes de mémoire. Des personnes qui ont des pertes de mémoire. Tu oublies facilement. Tu oublies facilement. Tu as souvent des pertes de mémoire. Tu sens comme si ton conscient intellectuel maillait les noix à pétale, mais vous allez la terre. Visitez-le. Il dit des nouveaux vins, des nouveaux outres, les vins nouveaux dans des nouvelles outres. N'est-ce qu'il tombe, appelle ça au maïa la chica. Va affronter ma défiance. N'est-ce qu'il tombe, appelle ça au maïa la chica. Va affronter ma défiance. Toi qui es à l'aube des épreuves, des examens. Toi qui es à l'aube. Entrez dans tes études, que Dieu te donne l'intelligence adéquate. Que Dieu te donne l'intelligence adéquate. Yopé na Moussala na yo. Reçois l'intelligence nécessaire. Reçois l'intelligence nécessaire. Serviteur, servante de Dieu. Reçois l'intelligence nécessaire. La Bible parle de Tyr, il rentre dans un roi. La Bible déclare qu'il avait le savoir. Dieu lui avait donné le savoir. Pour travailler les reins, je prie que Dieu donne à quelqu'un le savoir-faire dans ton domaine. Que Dieu te donne le
Recevez cela. Recevez cela. Tu as vu ta soif. Tu as entendu tes pleurs. Reçois une nouvelle intelligence. Reçois de nouvelles aptitudes. Reçois de nouvelles qualités. Une nouvelle saison. Exige de nouvelles aptitudes. Exige de nouvelles qualités. Exige de nouvelles versions des choses. Ô serviteur de Dieu, reçois une onction renouvelée. Reçois une onction fraîche. Reçois une onction fraîche. Une nouvelle saison, un nouveau manteau. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Des déclencheurs des nouvelles saisons qui touchent les mondes. Des déclencheurs des nouvelles saisons qui touchent les mondes. Je parle à des prophètes. Je parle à des apôtres. Je parle aux évangélistes. Je parle aux docteurs. Je parle aux pasteurs. Je parle aux intimes de Dieu. Je parle aux assoiffés. Je parle aux craignants. Je parle aux prières de nuit. Ce qui est éloigné à ma chambre, Dieu des esprits de prophètes, je te prie que tu confères maintenant à tes serviteurs, à tes servantes, une nouvelle dose pour de nouveaux défis. Une nouvelle dose pour de nouveaux défis. Reçois cela. Reçois cela. La profondeur de la révélation. La profondeur de la révélation. La profondeur. Reçois cela au nom de Jésus. La profondeur de la révélation. La profondeur. Tu ne liras plus la Bible comme tu la lisais. Reçois une sagesse dans les Écritures. Reçois une intelligence dans les Écritures. Reçois une compréhension dans les Écritures. Une nouvelle saison commence avec toi et ta Bible. Tu seras dans ta chambre, mais Dieu te parlera. Dieu te révélera à toi. Recevez un nouveau paquet de rhéma. Recevez un nouveau paquet de révélations. Là-bas, chacun de là-bas. Chantre, élevez vos mains. Tu es ici, tu es chantre. Mais précisément aussi à la chorale de la musique. Il y a une onction prophétique mais qui s'attache aux personnes qui exercent plus l'adoration dans le chant. Il y a une onction prophétique qui est en train de couler, mais elle s'attache plus aux personnes qui exercent l'adoration dans le domaine des chants. Recevez cela. Recevez cela. Vous ne chanterez plus comme hier. Vous ne chanterez pas comme hier. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que Dieu est en train d'établir des personnes qui seront en train d'assujettir les esprits par le chant. Vous serez en train de chanter, mais les esprits seront en train de fléchir. Les esprits seront en train d'obéir. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu qui est en train de se mouvoir dans sa maison. La Bible dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Je prie que la gloire de Dieu commence à rayonner dans tous les domaines de la vie de quelqu'un. Que la gloire de Dieu commence à rayonner dans le domaine familial, dans le domaine des affaires, dans le domaine. Dans le domaine des miracles, que tout se crie gloire dans la vie de quelqu'un, que tout se crie gloire dans la vie de quelqu'un, dans ton ministère, que tout se crie gloire, dans ton ministère, que tout se crie gloire. Une nouvelle saison, une nouvelle saison où les hommes vont palper les miracles. Je ne suis pas en train de monologuer. Je suis en train de prophétiser une nouvelle saison où les hommes vont manipuler les guérisons, où les hommes vont arracher les maladies par leurs mains, où les hommes vont toucher différemment les choses qu'ils ont eu l'habitude de toucher. Dans la massacre, un dépôt spirituel différent, un téléchargement spirituel profond, un téléchargement spirituel.
sol profond. Reçois cela. Reçois cela. Prédicateur, recevez. Prédicateur, recevez cela. Prédicateur, recevez cela. Dans les réseaux sociaux, dans les ministères présentiels, recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus. Chante à la base ainsi. Pendant que je suis en train de parler, j'entends établissement pour opérer des délivrances. Établissement pour opérer des délivrances. Si possible, est-ce qu'on peut se lever? Pour ceux qui le peuvent, bien sûr. J'aimerais prier avec les généraux de Dieu. La Bible déclare, donne à tes serviteurs d'annoncer l'évangile avec une pleine assurance, afin que par leur prédication, qu'ils se prodiguent des signes, des miracles, par le nom de ton saint serviteur Jésus. J'aimerais prier, serviteurs et servantes de Dieu, soyons sensibles. Nous allons déclencher une saison dans la facilité dans la délivrance. Dans ce confinement, beaucoup d'esprits ont été alourdis. Beaucoup d'esprits ont été bloqués et verrouillés. Alors on va dire à Dieu, comme à l'église primitive, ils ont prié, ils ont dit, donne à tes serviteurs. Donne à tes serviteurs. Y a-t-il une servante de Dieu ici? Y a-t-il un serviteur de Dieu ici? Que Dieu nous donne d'opérer dans la délivrance. Que Dieu nous donne, que nos prédications sont en train de délivrer, que nos prédications sont en train d'opérer des choses dans nos vies. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux battre tes mains? Que Dieu nous donne cela. Que Dieu nous donne cela. Donne à tes serviteurs. Donne à tes serviteurs. Je prie pour les conducteurs des cultes. Je prie pour les modérateurs. Je prie pour les intercesseurs. Je prie pour tout type de personnes qui a une charge dans le monde spirituel. Que Dieu te donne la dose qu'il te faut. Vous accédez dans une nouvelle saison. Serviteur de Dieu.